Samedi 3 juin 2023, Oshi s'est confié face à Bernard Montiel sur RFM au sujet de sa rencontre avec sa compagne, Gia Martinelli. Si est une célèbre chanteuse qui a provoqué cette rencontre. Une chanteuse à cœur ouvert. En juin 2021, Oshi avait évoqué ses histoires d'amour passées. La chanteuse révélée au grand public avec son tube Ta marinière avait révélé qu'elle s'était inspirée de ses ruptures pour écrire certains de ses textes. Ces textes qui me servent de thérapie, je n'aurais pas été capable de les écrire sur le moment, je n'aurais pas pu mettre des mots sur mes mots. Ça fait du bien de digérer d'abord, et de se libérer enfin. Dans le premier album, j'avais déjà écrit des chansons de rupture et j'avais envoyé le disque à mon ex avec une dédicace, « Merci de m'avoir quitté », a-t-elle révélé. Mais ces ruptures sont loin derrière elle. En effet, la chanteuse vit une histoire d'amour. On vit ensemble, on travaille ensemble. Elle gère ma carrière. Elle embellit ma vie, donc forcément, si estime ma vie et elle s'appelle Gia. Les gens doivent savoir que j'arrive à chanter chaque soir et à être heureuse grâce à elle. Ma vie a pris un sens le jour où je l'ai rencontrée. Point, cela a été le coup de cœur, le coup de foudre. Avant Gia, toutes mes relations ne menaient à rien. C'était beau, simple, c'était la suite de moi. Il manquait un truc dans ma vie, c'était elle. Point, j'avais besoin de quelqu'un qui me soutienne et me remonte parce que cette maladie de Ménière si est pas facile à vivre au quotidien. Elle joue parfaitement son rôle et m'a porté plus loin que l'endroit où je voulais aller. A-t-elle révélé avec beaucoup de bonheur dans l'émission Toutes les femmes de nos vies, diffusée sur W9, en décembre 2021. On ne cesse plus lâcher et cette histoire trouve son origine dans une rencontre organisée par une autre chanteuse bien connue du public français, Jennifer Ayash, chanteuse du groupe Superbus. Elle nous a présenté toutes les deux et on ne cesse plus lâcher, a-t-elle révélé sur l'antenne de RFM au micro de Bernard Montiel, samedi 3 juin 2023. De quoi rendre fière Jennifer Ayash. La chanteuse n'oublie pas qu'elle a provoqué la rencontre entre Gia Martinelli et Oshi. D'ailleurs, si les deux amoureuses franchissent un jour le cap du mariage, la chanteuse de Superbus compte bien avoir son moment de lumière, le jour de votre mariage, j'ai intérêt à être votre témoin. Lui aurait-elle dit. Une rencontre à l'image des plus belles chansons d'amour.